Je vais vous présenter les saules à croissance rapide, puis leurs insectes ravageurs et bénéfiques dans différentes régions du Québec. Premièrement, pourquoi je parle de les saules à croissance rapide? Les saules à croissance rapide, ce sont des plants qui ont vraiment une qualité très élevée en biomasse. Si on parle de biomasse sèche, comme par exemple pour faire des clôtures ou des copeaux de bois ou du pays, puis en bioénergie. Ils ont une grande adaptabilité au sol et au climat, ce qui est très favorable pour les éventuels changements climatiques pour arriver à les combattre. Ils nécessitent très peu d'intrants tels que les engrais synthétiques. Ils ont un faible coût d'implantation, puis ils ont une forte capacité de phytoremédiation. Ici, la capacité de phytoremédiation, c'est la capacité des plants à utiliser les composés toxiques qui sont présents dans le sol pour les réinvestir dans leur croissance puis leur photosynthèse. C'est également cette capacité qui est à l'origine de la grande popularité des saules à croissance rapide au Québec dans les dernières années. Pour réaliser cette étude, il y a une première étude qui a été faite par le RPBQ en 2018 et 2019. Elle a été réalisée sur des parcelles de saules à croissance rapide dans des sites expérimentaux qui sont répartis dans 5 sites pour avoir une bonne répartition des climats. De ces sites, on a le site de Saint-Mathieu-de-Belleuil en Montérégie, le site de Bois-Brillant dans les Laurentides, le site de Lapocatière au Bas-Saint-Laurent, le site de Saint-Siméon en Gaspésie, puis le site de Champ-Neuf en Abitibi. Donc, on voit qu'il y a quand même une belle répartition des climats. Chacun de ces sites contient une culture intensive sur courte rotation sur la croissance rapide. Ici, ce type de culture-là, c'est que étant donné que les saules à croissance rapide, ils ont une croissance qui est très rapide, au lieu de les replanter à chaque saison, on va les laisser pousser pendant une durée de 20 à 25 ans, puis à chaque période de 2 à 3 ans, on va les tailler puis les laisser repousser, et ainsi de suite. Ça peut aller jusqu'à 8 cycles consécutifs. Cette étude a permis a permis plusieurs avancées. Dans un premier temps, ça a permis de voir que la présence, l'abondance des insectes va varier en fonction du temps, donc en fonction du mois et de l'année, en fonction de la région d'implantation du plant, en fonction des différents cultivars, puis en fonction de l'âge de ceux-ci. Ça a également permis de montrer que la sensibilité de ces plants-là va varier en fonction du choix du cultivar, puis en fonction de la région d'implantation. Puis ça l'a permis de faire un premier inventaire des insectes ravageurs qu'on retrouve dans le sol pour avoir un premier aperçu de ce qu'on trouve. Il y a 22 insectes qui ont été identifiés, dont 5 types de punaises, 4 de pucerons, 3 de charançons, 2 de cicadelles, 2 de chrysomèles, puis bien d'autres. De ces insectes, on voit qu'il y a quand même une bonne diversité de ravageurs dans les saules à croissance rapide. Puis pour vous en faire un exemple, je vais vous en nommer quelques-uns. Premièrement, ici, on a la chrysomèle versicolore du saule. C'est un des principaux ravageurs qu'on retrouve dans le saule. C'est un petit coléoptère qui a une couleur noire bleutée qui mesure environ 3,5 mm. L'adulte va passer l'hiver. Puis il va hiberner jusqu'en avril, où il va se mettre à pondre ses œufs du mois de juin à la mi-juillet. Puis ces œufs-là vont donner naissance à des larves de fin juin à fin août, comme on peut voir sur l'image. Puis au total, ils vont pouvoir générer de 2 à 3 générations par saison. C'est quand même assez beaucoup pour un ravageur. Puis, comparément à d'autres ravageurs, cet insecte-là, il fait des dommages tant au stade adulte qu'au stade larvaire. Le stade adulte, comme l'image ci-dessous montre, l'adulte va seulement grignoter la bordure des feuilles, tandis que la larve, c'est elle qui va causer les ravages principaux. Lui, il va se nourrir de toute la partie de la feuille, puis il va laisser seulement les nervures pour lui donner une apparence squelettisée, comme on voit sur la photo. On a également le puceron du saule, qui est un émutteur qui a une tête de 5 à 6 000 mètres. C'est quand même un des plus gros pucerons qu'on retrouve au Québec. Il est caractérisé par 3 pointes noires qu'on retrouve à la fin de son abdomen.
puis il peut produire une multitude de générations à chaque saison. Lui, comparément à d'autres ravageurs, il va pas défolier les feuilles, il va se nourrir de la sève qu'on retrouve dans la tige des feuilles à l'aide de son rostre. C'est une sorte de, on pourrait dire, une paille qu'il a au bout de sa bouche qui va rentrer dans la tige puis qui va aspirer la sève avec. Puis, les dommages qu'il va causer, ça va être lorsqu'il va se nourrir de la sève des arbres. Il va transmettre des maladies à l'intérieur de la tige où ça va permettre des infections dans le plant. On a également le calligraphe du saule, qui est un petit coléoptère de 1 cm, dont l'adulte va apparaître dès le printemps pour donner naissance à des larves du mois de juillet jusqu'à l'automne. Puis, c'est principalement le stade adulte qui va causer des dommages. Comme on peut voir sur la photo, il va grignoter un peu n'importe comment sur la feuille. Ça ne sera pas de manière homogène. On a également la cicadelle de la pomme de terre, qui est un autre émissaire d'environ 3 à 4 mm. Celui-ci, il ne va pas hiberner au Québec. Il va passer l'hiver au Mexique et au sud des États-Unis. Puis il va migrer au printemps pour arriver aux alentours du mois de juin, où il va donner naissance de 1 à 2 générations. C'est un insecte qui est un polyphage généraliste, donc se nourrit des feuilles d'une multitude de plantes. Ça peut aller jusqu'à 200 espèces de plantes. C'est quand même assez énorme. Puis les dommages qu'il va causer, lui aussi, c'est un insecte qui est piqueur-suceur. Donc, lorsqu'il va se nourrir de la sève du plant, il y a une partie de sa salive qui va entrer à l'intérieur du plant, puis les particules qu'on y retrouve, ils vont faire en sorte que ça va bloquer en quelque sorte la circulation de la sève dans le plant. Donc le plant va s'affaisser, il va s'affaiblir et il va faner. On a également la spongieuse, qui est un lépidoptère. La larve, donc la chenille de ce papillon-là, à 4 à 7 mm. C'est une chenille qui est assez poilue, qu'on reconnaît par ses taches bleues et rouges tout le long de son corps, sur le dos. Puis l'adulte, le papillon, il mesure de 4 à 7 cm. C'est lui aussi un ravageur généraliste qui est assez bien connu parce qu'il fait beaucoup de dommages, puis il s'attaque à plus de 300 espèces d'arbres différentes. Toutefois, il va donner seulement une génération par année, puis il va hiberner sous forme d'œufs, où la larve va arriver par la suite du mois d'avril au mois de juin. Si on voit l'adulte, le papillon, qui à chaque ponte, il va pondre un nombre impressionnant de 500 000 œufs, et ça du mois de juillet au mois d'août. Cet insecte-là, il est quand même reconnu pour les gros ravages qu'il fait, puis pour son importance au plan économique. Dans le fond, comme il a été démontré aux États-Unis, il y a eu plus de 120 millions de pertes en valeur de propriétés résidentielles. Dans le fond, ça, c'est les propriétés résidentielles, c'est tous les arbres qui auraient pu servir pour la construction de maisons, par exemple. Ces arbres-là, à cause de ces insectes-là, ils ont été perdus, ils ont pourri ou ils ont tombé, donc ils n'ont pas pu être utilisés. Tous ces ravageurs-là mènent également aux ennemis naturels, qui viennent en quelque sorte avec ceux-ci. On peut voir dans un premier temps qu'il y a la punaise soldat. C'est un émitteur également, donc un insecte suceur, qui lui, au lieu de se nourrir de la sève des plantes, il va se nourrir au contraire du sang des insectes, donc de leur hémolymphe. Il va se nourrir des larves d'insectes en général, donc principalement les chrysomèles du saule, qui est un de nos principaux ravageurs, comme on a vu au début. On a également des insectes parasitoïdes, dont la majorité sont des hyménoptères, le même ordre que les abeilles ou les guêpes. Eux, ils vont parasiter les larves et les œufs d'autres insectes. Donc, ils vont mettre leurs œufs dans les larves, dans d'autres œufs, où leur progéniture va se nourrir de leur hôte jusqu'à atteindre l'âge adulte. On a également d'autres ennemis qui, eux, vont se nourrir principalement de pucerons, tous les pucerons en général, dont les chrysopes. Ici, en haut, on voit la larve du chrysope qui se nourrit des pucerons. Puis l'adulte, à ce stade, il va arrêter de se nourrir, donc c'est principalement la larve qui va,
qui va servir de prédateur. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'adulte qui va mettre ses œufs à des endroits précis, comme par exemple dans des agrégations, dans des colonies de pucerons, pour qu'une fois que la larve éclot, elle soit déjà dans un garde-manger naturel. Puis on a la coccinelle, tant le stade larvaire que le stade adulte va se nourrir d'une multitude de pucerons. Puis c'est bien connu dans le sol qu'on a les coccinelles asiatiques qui, eux, vont beaucoup contribuer au maintien des colonies de pucerons. Plus qu'il y a une grande multitude d'insectes dans les sols à croissance rapide, mon sujet va vouloir étudier la communauté d'insectes qu'on y retrouve spécifiquement dans les SCR, les sols à croissance rapide. Puis ça, c'est dû au fait que la présence de ces insectes-là, justement, dans les cultures, ça peut avoir un impact très négatif qui peut nuire au rendement puis à la capacité de phytoremédiation des plants. Ici, de la manière que ça va nuire, c'est qu'en nuisant en donnant des maladies aux plants ou en nuisant en faisant la défoliation des feuilles, ça va faire en sorte que le plant va avoir de la difficulté à faire de la photosynthèse, donc il va être plus vulnérable aux maladies, aux autres ravageurs, aux parasites, puis il va avoir de la difficulté à faire du rendement. Puis ça, c'est un phénomène qui est très peu documenté. On trouve très peu d'informations sur les insectes spécifiques au sol, puis sur leur comportement et leur écologie dans celui-ci. Puis, les études qui ont été faites jusqu'à présent, elles ont été surtout portées sur des parcelles expérimentales, donc des parcelles de petite surface. Donc, on aimerait savoir si ça s'applique également dans des parcelles de plus grande surface, comme des sites commerciaux. Tout ça mène à mes deux principaux objectifs, qui sont le premier, c'est de comparer les communautés d'insectes, tant les insectes qui sont ravageurs que ceux qui sont bénéfiques, comme les ennemis naturels. Dans les sols à croissance rapide de plusieurs régions, puis pour différents cultivars. On pense ici que les communautés d'insectes dans les parcelles de sols à croissance rapide vont varier en abondance puis en diversité d'espèces en fonction de plusieurs facteurs, dont l'âge des plants, la région d'implantation, puis le type de cultivar qui va être utilisé. Le deuxième objectif, c'est de comparer les communautés d'insectes ravageurs et bénéfiques qu'on retrouve dans les parcelles expérimentales, puis justement de voir si on retrouve la même chose dans les parcelles de plus grande surface telles que les parcelles commerciales. On pense ici qu'il va y avoir une différence entre ces deux sites-là, puisque l'homogénéité des plants va être plus grande dans les sites commerciaux, donc la diversité d'insectes devrait être plus petite. Afin de réaliser cette étude, il y a plusieurs sites qui sont utilisés. Moi, mon étude porte sur l'année 2021 à 2022, c'est la continuité de l'autre étude. On va utiliser les mêmes 5 sites expérimentaux, puis les mêmes 5 cultivars. La seule différence ici, c'est qu'on va rajouter des sites commerciaux, dont le site de Waste Management à Sainte-Sophie, puis le site de Rameau à Saint-Roch-de-la-Chicane. Afin de réaliser cette étude, on va utiliser la méthode du filet fauchoir pour faire des dépistages, puisque c'est une méthode qui est assez reconnue pour son efficacité. Puis ça va être réalisé une fois par mois, réparti sur 4 mois, dont le mois de juin, juillet, août et septembre. Puis ça va être fait sur des entourages complets dans les parcelles, donc pour avoir des grands échantillons représentatifs des parcelles. Les insectes qui vont être récoltés, ils vont être envoyés en laboratoire où je vais en faire l'identification, puis je vais les dénombrer pour pouvoir estimer leur abondance retrouvée sur la croissance rapide. Afin de montrer la méthode du filet fauchoir, voici une vidéo qui montre comment on s'y prend pour seulement effleurer les plants pour récolter les insectes. On a également la méthode de l'évaluation des dommages foliaires. À chaque dépistage, on va faire des récoltes de différents dommages qu'on va observer, afin de les envoyer en laboratoire comme pour les insectes.
Puis, on va pouvoir prendre des photos pour associer chaque différent type de dommage à leur insecte ravageur respectif. Puis, ça va également permettre de faire des dissections à l'intérieur des tissus foliaires pour voir s'il y a présence d'insectes sous forme larvaire, par exemple, ce qu'on ne pourrait pas observer par observation visuelle ou par la méthode du filet fauchoir. Puis, si le temps le permet, on va également faire des expériences en laboratoire qui vont nous permettre, dans un premier temps, de déterminer le taux de défoliation des principaux ravageurs, donc de voir quels dommages ils font, puis à quelle intensité. Puis, ça va également permettre de tester leurs préférences pour chacun des cultivars qui vont être utilisés. Les résultats de cette étude qu'on attend, ce serait de caractériser, de comprendre et d'expliquer les variations des communautés d'insectes qu'on retrouve, tant pour les insectes ravageurs que les ennemis naturels, et ce, pour différentes régions, pour différents cultivars et en fonction de leur hôte. Puis cela serait fait à l'aide des inventaires, des identifications précises sur des grands échantillons de sur la croissance rapide. On voudrait également voir s'il y a une différence entre les parcelles expérimentales et les parcelles commerciales. Ça permettrait aussi de déterminer, de caractériser à l'échelle de la parcelle si de voir quel type de dommages qui sont faits au plant, puis à quelle intensité. Puis ça permettrait également de voir c'est quoi la préférence des principaux ravageurs pour les cultivars choisis. Pour la suite de cette étude, il y a un guide des principaux insectes ravageurs retrouvés sur la croissance rapide qui va être réalisé. Puis ce guide-là, il va permettre de connaître, de caractériser les insectes ravageurs et bénéfiques afin de pouvoir comprendre les dommages qui sont faits par les ravageurs, puis de voir quels bénéfices apporte le fait d'avoir des insectes bénéfiques, tels que les ennemis naturels. Ça va permettre aussi d'obtenir de meilleures connaissances sur les ravageurs et les ennemis naturels. Puis, ça permettrait d'aider les compagnies plus commerciales à adopter une meilleure gestion des ravageurs, justement, à l'aide des ennemis naturels, afin de permettre un meilleur rendement, un rendement plus optimal. Puis ça permettrait aussi, dans un deuxième temps, de pouvoir utiliser de moins en moins d'insecticides, de pouvoir se concentrer sur des méthodes plus naturelles comme les ennemis naturels. Dans le fond, les cinq cultivars, ils ont été choisis justement par le RPBQ, ceux qui ont mis en place les cultures sur les cinq sites. Puis, ils se sont basés sur le fait que ces cinq cultivars-là, c'est des cultivars qui ont un très grand rendement. Donc, ils ont voulu se concentrer sur ceux-là en particulier. Puis c'est également des plants qui, au départ, avaient quand même une bonne résistance aux insectes. Mais on a vu par la suite que cette résistance-là était plus ou moins bonne en fonction de plusieurs facteurs comme les climats, puis tout ça, puis surtout le fait que ça varie avec les changements climatiques. Donc c'est surtout pour observer leur rendement, puis les insectes qui ont été utilisés. Dans la première étude qui a été faite, ça l'a permis justement d'associer quelques ravageurs à certains ennemis naturels. On voyait que ces ennemis-là étaient présents seulement quand les ravageurs étaient présents. Donc, avec toutes les données, ça va effectivement nous permettre de faire des corrélations pour certains parasitoïdes ou pour autres ennemis naturels. Pour la première saison, j'avais environ 800 échantillons à identifier. Puis chaque échantillon peut contenir entre une centaine jusqu'à plus de 1000 insectes différents. Donc, pour l'instant, je te dirais que j'ai fait environ près de 200 échantillons sur 800. Donc, il en reste encore beaucoup à faire. Puis, on va avoir la même quantité, sinon plus, pour l'été prochain. Mais pour ce qui est des insectes, on voit qu'il y a quand même une grande diversité. On trouve plus de la moitié des familles d'insectes répertoriées au Québec.
Pour l'instant, j'ai pas tant été surpris. La seule chose, c'est que il y a des insectes que dans les années précédentes étaient beaucoup reconnus. C'était eux les principaux ravageurs, comme par exemple la chrysomèle versicolore. Toutefois, cette année, pour ce qui est du mois de juin puis juillet, pour l'instant, j'en ai vu aucune. Donc, ce qui m'a surpris, c'est que c'est l'occurrence des insectes, comment la présence d'un insecte peut varier d'une année à l'autre ou d'un mois à l'autre. Donc, c'est surtout ça, là, cette année, pour l'instant, c'est surtout je te dirais, des cicadelles qui ont été observées ou des charançons verts. Oui, j'en ai vu quelques-uns. Toutefois, c'était seulement dans certaines parcelles précises. J'ai vu des défoliations complètes. Ouais. Si D'accord. c'est fait tôt dans la saison, le plant arrive quand même à régénérer ses feuilles en entier.